Bonjour les amis de AAZ Solutions. Je dis à nous bien Z982 et nous prenons bypass. Il est difficile en pile, il demande en pile chemin, mais nous prenons permettre de trouver ça dans un petit moment qui n'est pas trop long. Premièrement, on a besoin d'un téléphone pour retirer ID sous l'IA et on a besoin d'un autre téléphone encore. Mais il faut que l'autre téléphone ça, premièrement, il y ait un compte en Google qui est installé sous lui. OK, faut qu'on compte mot de passe l'autre compte ça qui sous lui a. Et ensuite faut qu'il connecte sous même réseau internet. Ça veut dire soit que vous faites ça servir comme source pour bail ça ou bien vous tous les déconnecter sous même réseau wifi. Comme vous regardez là, là on est connecté à AZ solution et ça et téléphone 982 ça m'a retiré ID, m'a connecté aussi sous AAZ solution. Il faut que gagne même internet. Ça m'a beaucoup besoin là. On a m'a travail sur ça. Problème gal de nécessité pour travailler avec ça. M'a fait nous connait. OK, voilà, il doit synchroniser avec un compte qui était solide déjà. Premier barème, TalkBack. Quelqu'un pour activer TalkBack. TalkBack on. TalkBack is a screen reader primarily for people with blindness and low vision. It allows you to TalkBack tutorial. Alert TalkBack. Text to speech settings in list 9 items. Double tap global context menu. Pause alert TalkBack. Okay. TalkBack suspended. Well. Glisser ça comme ça, voilà. Et là, j'ai juste fait nous voir qui téléphone nous là, Z982 7.7. Avec ma application. Apps. On va aller directement dans YouTube. On va aller dans notification. Un petit paramètre ça va là-dedans. Alors about si l'enfant c'est l'appareil à propos quand nous on fait la brise là on besoin Google privacy politique qu'on va gagner service accès avec Chrome accepter no thanks première application on a besoin trois applications on va voir automatiquement entrer dans Chrome on va aller à ma écrit Google bien de cavasser directement tout ma petite quick shortcut maker si c'est première application on va utiliser quick shortcut maker avec voilà faut m'bail permission avec Chrome pour gagner accès avec storage. OK. Automatiquement les fin télécharger, mon ouvrir, mon installer, mon activer à mon source sous synchrone. Maintenant là, on va aller là, aller dans download. Mes quick shortcut mes game begin. Je vais l'installer, installer. Automatiquement fin installer, mon va ouvrir open, ouvrir. On va aller directement dans launcher. 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 Dans l'icône là, on va appuyer sur une fois, développer, et m'apprend deuxième là. Try, essayer. Ce n'est pas encore terminé. Maintenant, on va aller directement dans Home. On va télécharger une application là. Même si juste un réduit. Je vais prendre l'application, je vais réduire le code. Ça m'a barré. On va l'écrire là, je vais mettre dans la description en bas vidéo. Côté de la prendre nous-mêmes, on va juste télécharger l'application directement sur le téléphone. Et.
bit.ly/FRP, ok, FRP, ZTE, bon, mais qu'il n'est pour nous, tiré, ok, ZTE, ZTE 2. Ma petite link, ça c'est un link. Ma petite dans la description en bas téléphone en bas vidéo pour qu'on capable télécharger. Là m'gagne, on va télécharger Google Play service là. Nous besoin nous pour qui ça fait si Google Play service ça me prend. Normalement Google Play service qui avait de faire ça, faut que la version 13.2.78. Sinon, on pas de possibilité pour faire ça. Ça fait tout faire le nom link pour nous parce que dès pour taper directement, il y a bao en pilote Google et qui pas bonne possibilité pour faire et savoir faire tout juste faire la link pour nous. Pendant la télécharger, on va télécharger. On va entrer dans l'autre link encore qui permet nous essayer une nouvelle application ça nouvelle état nouvelle télécharger en dernier lieu qui c'est bit bit on va télécharger bit.ly. Oui. OK, normalement ça c'est troisième application bit.ly/ZTE. Ça me souhaite déjà ici ZTE2 ZTE. Ce qui nous bien prend yo là on va télécharger et une application qui parle de possibilité avec paramètres là. Bit.ly/ZTE. Ok, excusez mes amis, mon Dieu, c'est bit.ly menu slash FRP. Ok, FRP tiré ZTE. Ok, je vais mettre FRP. Ça, c'est pour la troisième application que j'ai besoin. Voilà. Et menu. Là, on va aller dans 3 points ça là. Il est téléchargé. On a download. Maintenant, deuxième application à télécharger pour que je puisse acheter Google Play Service là. Menu. Terminé. Download. On va aller dans même download là. Je prends Google Apps Launcher. Je vais installer. Quand on a ouvert là, c'est parti qui plus important. Mon bras aller toucher Google Play Service à côté clé là. C'est venu bien fermé. Three dots, trois points ça. Mon bras là show montrer les items debugging. Show debugging item. Si on va faire les mal là, ça me besoin de bon. Show debugging item. À ce moment, on va aller dans ça. Smart device, si je vais dans 3 pour faire chaud de bon ça. Smart device. Descendre volume là. Target flow. Ok. Next. Je vais nous 13 trucs. Je vais écrire. Je vais dans le téléphone avec setup my device. Automatiquement, je viens là. Je vais prendre le téléphone là. Je vais dire qu'il faut sur le même réseau internet. Je vais faire ça. Je vais aller dans Google ça. Ok, je viens de dire ça. Mais Google là. Ce n'est pas Google Chrome. Si Google Chrome pas bonne possibilité. C'est Google ça qui en forme ça. Ou ka parler, ou ka parler. Si téléphone en anglais, ou bien écrit setup my device. Si en français, ou bien configurer mon appareil.
m'ka décidé pas écrire, m'parle il set up my device. Automatiquement m'dit set up my device, automatiquement la mettem là. Ou bien m'vle tourner pour m'montrer non. M'juste aller là-dedans, moi écrit set up. Pendant m'avec li bon, set up my device. Automatiquement la mettem là encore. Maintenant, m'a fait cameraman mais pour tout mon numéro à la main. OK. Ou bien aller là. On fait next. Là on va chercher appareil ça. Il faut que Bluetooth ça active et tout. Automatique même là pas activer là activer et coupe. Really? Oui, je vais là on fait next. On fait copie, m'a copie compte moi gain sous ça, continue on other device, dit me continuer sur l'autre appareil moi gain. La copie account là, copie account. Account c'est déjà copié. Pour qui ça me t'ai dit faut qu'on mot de passe account qui ça parce qu'il a mandé lui là. Account un mot de passe là c'est on va pas dire nous. Là, j'ai déjà entré le mot de passe, AFRP bypass. Je fais continue. Et je fais close automatiquement, c'est terminé. Ça me va le faire. Mapé restart appareil. Pause. Voilà, à placer. Talkback activé. Ok. Map désactivé. Talkback main. Pause. Talkback. Ok. Talkback suspended. Map. Let's go. Escape. Galdim qui compte moi et voilà AFRP bypass 2020 ça les compte les gain sur ça les copier de pas le marquer comme ça on est dit pas bien fait voilà skip sauter skip anyway de toute façon là j'ai le print nature no thanks all set. Et voilà, c'est terminé. Téléphone là, il retire. Maintenant, ce qu'on va pour faire, on va juste aller dans paramètres, on va aller dans ABA, on va développer téléphone là. Bill number. Là. On va activer OEM. Map tout même regarder map juste reset téléphone là et on va le faire même sans sous de faire là moi c'est libre pour retirer application de météo retirer compte là parce que papa jamais quitter compte sur téléphone client on va maintenant use et après ça c'est terminé vous pouvez qu'il ne comprenne quitter une petite notification un petit message la très useful la très utile pour nous après reset on va le configurer même j'aime se configurer là mes amis portez-vous bien. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à les poser et n'a pas amusé pour nous connaître. Là, la plus facile, il va demander pour me configurer normalement, avancer, sauter, etc.